Le Québec est reconnu pour ses riches forêts. Près de la moitié du territoire est couvert par l'un des plus grands réservoirs forestiers du monde. Le Québec à lui seul possède l'équivalent de 20 % des forêts du Canada et de 2 % des forêts du monde. Le paysage forestier du Québec fait deux fois la taille de la Suède. Les Québécois possèdent collectivement 92 % de la forêt. Ainsi, la grande majorité des forêts constituent le patrimoine public. Environ 130 000 propriétaires privés de différentes tailles se partagent la superficie forestière restante. Dans le sud du Québec, une grande partie de la forêt appartient aux propriétaires. La plupart d'entre eux ont plus de 50 ans. Près d'un tiers travaillent dans l'agriculture, dont la plupart possèdent de petites propriétés forestières. Le portrait est par contre en train de changer. Ces propriétaires sont de plus en plus nombreux et aussi de plus en plus jeunes. Ils proviennent tantôt de la ville, tantôt des banlieues. Mais une caractéristique les unit tous, le désir de faire de son lopin de terre un lieu pour le repos ou le loisir, et parfois même le travail. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de plusieurs amoureux de la forêt et de la nature qui nous dévoilent leurs petits projets. C'est une terre de 100 acres, donc grandeur normale. C'est majoritairement forestier. Il y a un petit peu de l'agricole proche du rang, mais sinon, là, c'est très, très forestier, plutôt résineux, un petit peu de mixte. Il y a un cours d'eau qui traverse aussi, donc c'est bon pour la pêche. Yann Bolduc est né ici, sur cette terre familiale de Saint-Léon-de-Standen. Ce lieu fait partie de lui. C'est cette terre qu'il a vu grandir et c'est elle qui lui a donné le goût de devenir ingénieur forestier. Aujourd'hui, il y revient, cette fois, pour l'acheter. Mes grands-parents, eux, avaient deux terres. Donc, ils ont la terre de la maison qui est juste à côté ici. Après ça, il y a la terre à mon père, puis il y avait l'autre à côté. Fait que mon père a la terre entre les deux de mes grands-parents. Puis là, une fois que mes grands-parents sont décédés, en fait, là, mon oncle a acheté la terre avec la maison de mes grands-parents. Mais l'autre terre, finalement, c'est moi qui l'achète, là. Mais c'est dans la famille depuis 1928, donc ça fait très longtemps. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important, là, de la conserver, là, dans la famille. C'est certain que elle a une valeur sentimentale pour moi parce que j'ai été élevé un peu dessus, là, vu que c'était à côté de la maison familiale à mes parents. Mais c'est aussi pour avoir un plus grand lopin de terre, là. C'est vu qu'elle est collée sur celle à mon père, donc ça va nous faire un plus grand terrain éventuellement. Ben moi, c'est juste d'avoir un lot pour l'aménager. Vu que je suis ingénieur forestier, pour moi, ça va comme un peu de soi d'avoir mon petit lopin de terre à moi, puis de faire des travaux dessus, puis d'en profiter le plus possible, là. Venir prendre des marches. Moi, je suis un chasseur, donc peut-être chasser dessus aussi. Il y a de la pêche à faire également. Donc, pour moi, c'est très villégiature, mais aussi forestier, là, avoir un revenu également, là. C'est ça. En ce moment, il y a des peuplements forestiers qui sont prêts pour la récolte. Donc, éventuellement, je vais procéder aux travaux. Yann utilise donc son expérience d'ingénieur forestier pour l'aménagement de sa terre. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'acheter la terre familiale. Parfois, il faut magasiner comme si on cherchait une maison. Avocat de formation, Félix Pigeon, qui a grandi à Laval en pleine ville, ne connaissait pas le monde forestier. C'est un séjour dans le Grand Nord du Québec qui lui a fait comprendre qu'il était fait pour la nature. Il décide donc de regrouper ses économies pour acheter son premier terrain. Depuis ce jour, il a 1000 projets en tête. Ayant l'âme très forestière, donc revenant du Nord, etc., je souhaitais avoir un endroit où je pouvais... C'est-à-dire que je pouvais pratiquer des activités forestières. Puis parfois, tu sais, malgré que c'est une très grande superficie sans orgue, bien, pour quelqu'un qui chasse, pêche, cueille, bien, ça me demeure que c'est une limite quand même. Puis j'étais habitué à des grandes immensités de territoire au niveau de la baie James. Donc quand je suis revenu, je souhaitais que ce soit adjacent pour pouvoir pratiquer ces activités forestières-là. En tant que novice, Félix a eu de la difficulté à magasiner une terre, car c'est un petit monde relativement fermé.
Il faut connaître certains éléments pour aller de l'avant avec l'achat et surtout pour ne pas se faire avoir. C'est difficile de naviguer quand on n'a pas l'expérience ou qu'on n'a pas les connaissances au niveau d'une terre à bois parce que c'est arrivé des situations où je magasinais puis, tu sais, la personne, elle arrivait et elle me dit « OK, toi, tu vas avoir... telle partie, puis elle sortait une feuille de papier, toi, t'aurais telle partie, toi, OK, lui, il va avoir cette partie-là, puis tu me donnes tant en cash, puis même si c'est arrivé au notaire, on va dire tel prix, puis tu m'en donnes cash. » Oh, ça, faut faire attention, parce que d'abord, un, c'est frauduleux, là, c'est illégal, là. Mais des fois, les vendeurs sont attirés à faire ça pour justement éviter de payer un impôt sur le gain en capital. Mais moi, je dis, il ne faut pas embarquer dans ce jeu-là. Là. D'abord, c'est illégal. Puis en plus, après, c'est, si vous la vendez avec honnêteté, donc la bonne façon, et que vous déclarez le bon montant au notaire, bien, vous allez vous ramasser à payer l'impôt du gain en capital que l'autre a sauvé. Il y a donc de nombreuses règles à suivre avant de se lancer. La meilleure manière de débuter, c'est de communiquer avec une association de propriétaires de boisés privés de sa région. Michel Roy représente celle de la Beauce. Par exemple, si j'achète un lot boisé sur lequel il y a eu des plantations subventionnées, je dois le savoir. Le vendeur du lot doit m'en aviser. Cette plantation-là a 10 ans, puis j'ai un engagement de 20 ans dessus. Parce que si je ne le sais pas... puis que je décide d'abattre ces arbres-là, ben il va pleuvoir de grosses amendes. Alors, c'est des situations pour lesquelles on donne de l'information. Les notaires, généralement, les notaires sont de plus en plus au fait de ces contraintes-là. Il faut vraiment être alerte sur cet aspect-là des choses. Le zonage et la réglementation sont des éléments primordiaux à considérer quand on pense à l'achat d'un terrain forestier. C'est d'autant plus vrai si on veut construire un petit chalet sur cette terre. Éric est en pleine construction de son chalet. À cause de la réglementation de zonage de son secteur, la vocation première de son chalet sera une cabane à sucre. Le côté chalet sera beaucoup plus petit. Éric le savait, mais s'il ne l'avait pas su, il aurait dû tout démolir. Les conseils que je pourrais le suivre, c'est s'ils veulent repartir un projet comme moi, tout dépendant de leur connaissance de base. Moi, j'ai fait de la construction avec mes oncles, mais si personne a des constructions de base, peut-être bien s'informer parce que c'est quand même beaucoup de stock à vérifier, beaucoup de stock. Fait que si quelqu'un est à l'aise à s'informer puis est à l'aise à apprendre. Apprendre, c'est vraiment le mot-clé quand du jour au lendemain, on devient propriétaire d'une forêt. Il faut aussi demeurer humble devant toute cette nature. C'est le cas de Claude. Ce biologiste à l'aube de la retraite en apprend encore. Posséder la forêt veut aussi dire l'aménager et la jardiner. Il faut donc y aller lentement et suivre des formations. C'est pas une grosse terre, hein? Donc ce sera jamais des gros chantiers d'opérations forestières. Il y aura jamais de grosses machineries qui vont venir ici récolter du bois. Ça va être moi qui... c'est tout moi qui va faire les opérations avec mon petit VTT, ma petite débusqueuse. Fait que, tu sais, ça va être à l'échelle du peuplement. C'est sûr que là, je peux pas parler pour les gens qui ont des terres à bois plus grandes où là, ça devient avantageux d'avoir de la machinerie. Un plant de l'année, donc il a germé il y a à peine une semaine. J'ai été élevé un peu dans la campagne aussi, fait que j'ai été un petit peu en contact avec l'utilisation des outils et tout ça. On chauffait au bois chez moi, chez mes parents, donc on a fait un petit peu ce genre de choses-là. Mais effectivement, moi qui... bon, je suis biologiste, mais j'ai pas eu l'occasion souvent de travailler avec des CHN, avec des VTT de temps en temps, mais dire sortir du bois en VTT, puis tout ça, là. Donc, tout ça, ça s'apprend. Il y a possibilité de faire des formations si on veut, mais aujourd'hui aussi, on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses sur Internet. Donc, il y a même des vidéos ou des formations disponibles sur Internet pour apprendre à abattre des arbres, puis tout ça. Mais évidemment, pour moi, ça a été un peu l'adaptation, là, d'arriver
à savoir comment faire tomber ton arbre au bon endroit, là. Et parmi les services qu'on peut offrir ici, en région, on offre une vingtaine de formations à l'association. Et parmi celles-ci, il y en a une qui porte le nom de tronçonnage. Donc, quand je regarde cet arbre-là ou ce gros-là, là-bas, dans le fond, qu'est-ce que je fais avec? Quelle partie de l'arbre va rapporter et comment je le coupe? Il faut se poser cette question-là pour chaque arbre. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça peut en avoir l'air de gérer un lot boisé. Moi, c'est quand je suis allé vivre dans un camp dans le Nord que j'ai utilisé ma première scie mécanique, tu sais. Fait que là, on parle de quand j'avais 26 ans, 27 ans, tu sais. Fait que c'est sûr que je suis parti en retard, mais j'ai vraiment doublé le... Je sais pas comment je peux dire ça, là, doublé la mise. Je me suis rattrapé, en fait. Puis là, je fais mes propres planches à scie mécanique. Je fais du débroussaillage, la scie. J'ai bâti des petites cabanes en bois rond, à l'herminette pour faire les joints, etc. Fait que c'est ça, au fond, c'est sûr qu'il faut pas avoir peur d'aller dans le bois, mais justement, une terre à bois, ça permet aussi d'apprendre à notre rythme, là, autrement dit. Là. Une nouvelle tendance est aussi en train de s'installer auprès des propriétaires de boisés. L'exploitation des produits forestiers non ligneux. C'est-à-dire que de plus en plus, on tente de trouver d'autres manières de tirer profit de la forêt que la simple coupe de bois. Les possibilités seraient nombreuses. On a trouvé des espèces de champignons, on a trouvé des plantes particulières, on a réussi à voir des traces d'animaux. Donc, tu sais, ça nous a permis d'avoir vraiment le premier contact très intime, si on veut, là, de la terre. La nuit, là, t'entends juste les bruits de la forêt. OK. C'est sûr que le jour, comme il y a des voisins, il y a des gens qui viennent y travailler. Fait que tu sais, tu les entends travailler. Mais à partir de 7-8 heures le soir, la plupart des gens sont partis. Fait que là, ça devient tranquille. Donc, c'est vraiment en la marchant là, de long en large. Là. Puis comme c'est pas très grand, c'est faisable de faire ça. Quelqu'un qui a une terre de 100 acres, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Ça prend pas mal plus de temps à faire le tour puis à avoir un portrait détaillé là, de cette forêt-là. Donc, moi, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Autant pour la chasse, la pêche, la cueillette. Moi, je suis un fervent amateur de cueillette de champignons puis autres PFNL, comme on dit, donc des produits forestiers non ligneux. Donc, ça me donne accès à un plus grand territoire comme ça. Aussi, moi, j'ai des milieux humides sur la terre. Il y a une chose qui nous a toujours frappé, moi, qui m'a toujours frappé, moi, vous savez, je suis pas un forestier. Si l'association m'avait engagé pour mes talents à abattre des arbres, ça ferait longtemps que je serais plus là. J'ai été engagé pour faire de l'information et puis c'est dans ça que je peux contribuer si on veut, à l'essor des forestiers de la région. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la fierté des gens qui possèdent la forêt privée. Pour eux, c'est un joyau. Et des gens qui vont cochonner, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est une infime minorité. Les gens qui possèdent, les beaux sont qui possèdent un lot boisé, c'est pour eux, c'est précieux et ils en prennent soin.